J'ai choisi ce petit bout de film parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et j'avais pas envie de passer beaucoup de vidéos. Je voulais juste vous montrer dans ce film la chose essentielle qui est que la compétition a été pour moi un sésame pour la découverte du milieu marin et toute mon implication et mon engagement pour la conservation des océans. C'était vraiment un point de départ. Je vais vous parler aujourd'hui d'un voyage sous l'eau, donc. Mais avant, j'aimerais vous faire un petit clin d'œil. Est-ce que vous savez qu'il y a deux golfs du Morbihan sur la planète ? Non, voilà. Alors ? Ça va pas du tout. Bon. Alors moi, je ne le savais pas. Et quand je viens dans un lieu, je me documente un peu et ça m'a fait vraiment très plaisir de le savoir. Et donc là, vous reconnaissez, pour les connaisseurs, la grande terre de l'archipel de Kerguelen. Je vais essayer de pointer, voilà, ça marche très bien. Le golfe du Morbihan et votre golfe du Morbihan. Et ce clin d'œil, on le doit donc à... Alors Raymond Rallier du Bâti, un Lorienté, quelqu'un de chez vous, en 1907, qui a été le premier à cartographier Kerguelen. Donc c'est Kerguelen qui a trouvé Kerguelen, forcément, fin du 18e, mais c'est lui qui a fait la première carte et qui a eu cette idée de l'appeler le golfe du Morbihan. Donc voilà, ici et ici. Et c'est un petit clin d'œil parce que de tout temps, on a eu envie de voyager sur la mer. Moi, je vais surtout vous parler de la mer, bien sûr. Et les motivations étaient très différentes. Et je fais un petit peu un contraste en vous disant que si on regarde l'Orient, donc, qui s'est développé avec ce qui me fascinait quand j'étais ado, et toujours un peu quand même, la Compagnie des Indes, la Compagnie orientale des Indes. Et c'était une lande, et puis c'est devenu une grande ville fructueuse avec beaucoup de richesses. Et si on regarde les motivations à l'époque pour voyager sur la mer, c'était pour la Compagnie des Indes orientales, c'était le négoce, la politique, faire rayonner la France à l'étranger vis-à-vis des autres grandes puissances maritimes, donc le Portugal, l'Espagne, la Hollande, l'Angleterre. Et nous, il fallait qu'on fasse notre place. Et puis aussi la culture. Et ça me fait un peu sourire quand je vois qu'on voulait faire rayonner la culture française et aussi la religion. Et que dans les motivations de la Compagnie des Indes orientales, il y avait évangéliser les païens. Alors aujourd'hui... Voilà. Aujourd'hui, on ne voyage pas sur la mer pour aller évangéliser les païens, mais c'est un petit clin d'œil, c'est drôle. Les motivations ont changé, bien sûr. Alors, pour ce qui est du commerce et d'aller chercher des richesses dans la mer, bien sûr que ça existe toujours. Mais on a quelque chose qui est nouveau au 19e et au 20e siècle. Je suis quelqu'un d'assez optimiste. C'est les impératifs de la conservation des océans, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout de cette conscience-là. Elle est venue très tardivement. Alors ça, c'était un peu un contraste pour vous dire qu'on a toujours voulu aller sur la mer. Alors ça, je pense que Aristote et Anacharsis, peut-être vous connaissez aussi cette phrase magnifique qui dit « Il y a trois sortes d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer ». Donc lui, il est du 6e siècle avant Jésus-Christ, Anacharsis, et puis Aristote l'a repris. Et c'est la fameuse phrase qu'on connaît très bien, c'est la formulation en fait d'Aristote. Moi, ça me parle beaucoup, ça parle aussi beaucoup aux marins. La Bretagne, c'est une terre de voyageurs, de grands explorateurs, navigateurs, de coureurs au large. Et moi, je ne vais pas sur l'eau, je n'ai pas l'appel du large, mais j'ai l'appel du fond. Mais ce sont deux choses qui sont complètement complémentaires. Il y a une sorte d'appel du cosmos bleu, de l'inconnu, quelque chose qui fait qu'on a envie d'aller sur la mer. Et pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que on parle de Greta Thunberg, on parle des problématiques, de tout ce qui se passe dans les médias, tout ça, mais moi j'ai envie de revenir au fondamental, au lien fondamental avec la mer. Et je pense que c'est à partir de là qu'on aura envie de protéger. Et tout à l'heure on disait on protège ce que l'on aime, bien sûr, et ce que l'on connaît. Mais moi, je viens surtout sur la première partie, ce que l'on aime, et j'ai envie de transmettre ce lien fondamental avec la mer. Alors, je vous emmène faire un grand voyage sous-marin pour vous dire comment moi, je voyage avec l'eau et sous l'eau. Au lieu de vous montrer une vidéo, je préfère vous le transmettre de vive voix. Donc, on voyage vraiment avec l'eau, puisqu'on nage avec l'eau, et on nage avec son corps et sa conscience dans l'eau. Il y a vraiment un dialogue qui s'installe. Donc,
au début, comme d'habitude, on prend la mer, ça démarre toujours comme ça, on prend le bateau, et ensuite, il y a un moment où on se recentre, et avant de rentrer dans l'univers sous-marin, il y a un moment où on se presque un peu de recueillement. Ensuite, on quitte la vie de terrien pour un temps, bien sûr, limité, puisqu'on est des bipèdes terriens, jusqu'à la preuve du contraire, on n'est pas des mammifères marins. Et ça, sinon, je n'aurais pas autant d'heures d'entraînement, je vous promets, ça serait plus facile. Mais il y a ce moment où on va quitter la surface, et c'est presque un peu symbolique. Le compte à rebours, la dernière inspiration, donc c'est le moment où on prend toutes ces réserves d'oxygène, c'est très important. Il faut un moment qu'il ne faut pas louper. Donc. Et ensuite, dans la première partie de la plongée, entre 0 et 20 mètres, on va nager contre la portance de l'eau, puisque forcément on flotte. Donc il y a un effort athlétique qui est assez important. C'est là où toutes les heures d'entraînement payent ou manquent. Mais non, enfin, on préfère que ça soit bien à ce moment-là, d'avoir de la force, c'est un moment athlétique. Et puis après, à partir de 20 mètres, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, on ne flotte plus. Donc ça commence à devenir plus facile. Donc là, il faut être à l'écoute de l'eau. Ça ne sert à rien d'avoir la même puissance qu'au départ, puisque l'eau vous aide à vous immerger. Vous n'êtes plus en lutte contre la portance de l'eau, mais vous pouvez juste accompagner l'eau et utiliser le poids de la mer, le poids de la colonne d'eau. Donc là, je fais moins d'efforts. Et ensuite, alors là, on ne voit pas bien. J'aurais voulu vous demander, et vous levez là, je pense que vous ne verrez pas, il y a trop de lumière. La différence entre cette position et celle d'avant, si j'y arrive. Non, j'y arrive plus. Bon, alors, je sais pas. Il faut m'aider. Ah, ça y est. Ouais. Donc, vous voyez la position que j'ai là et la position que j'ai là. Bon, vous ne voyez pas, peut-être. Bon, moi, je vais vous montrer, ça va être beaucoup plus simple. Là, j'ai les bras... Et puis après, sur la position d'après, j'ai les bras le long du corps. Et donc, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'à partir de 40 mètres, je me laisse couler. Et donc, c'est encore une autre phase, c'est un moment où on s'économise. C'est un mot très important sur lequel je reviendrai souvent, parce que l'apnée, il y a aussi un lien avec l'écologie, parce qu'on est sans arrêt en train de s'économiser. Et quand on apprend à économiser ses propres réserves, et sa propre énergie, on comprend beaucoup mieux les considérations d'énergie renouvelable et toutes ces choses. Quand on est confronté soi-même à s'économiser, c'est pour ça que l'apnée, c'est une belle école pour les enfants, pour les adultes à tout âge, en fait. Et ensuite, il y a un moment de 40 mètres jusqu'au fond, qui ressemble un peu au recueillement que j'avais à la surface, qui est un moment où on essaye d'économiser ses pensées. Ça paraît un peu étonnant, mais... Bon, beaucoup de gens apprennent à faire de la méditation. Maintenant, c'est très bien. Ça permet de se régénérer, ça permet de se reposer. Et ça permet d'avoir encore plus d'énergie après. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Mais dans l'eau, l'eau invite naturellement à ce petit temps de méditation. Si, de nouveau, on est à l'écoute de l'eau, à l'écoute de la sérénité qu'il y a dans ces grands fonds, où on n'a plus... En principe, il n'y a pas de bruit, sauf quand il y a un paquebot qui passe et là, j'ai la cage thoracique qui rentre en résonance. Ce n'est pas tout à fait agréable. On comprend bien ce que c'est que la pollution sonore à ce moment-là. Mais généralement, dans la rade de Villefranche, quand il n'y a pas de bateau de croisière, c'est vraiment la seule chose que j'entends, ça va être l'écoulement de l'eau sur mon corps et sur mes doigts. Et c'est comme ce que j'appelle un peu un bruit de vent liquide, un bruit presque imperceptible de l'eau. Et la sensation de l'eau qui glisse sur la combinaison ou sur les parties nues du corps, c'est-à-dire les mains, les pieds, le visage. Et ça, c'est un moment où on rentre en fusion avec l'élément et qui aussi nous régénère et nous permet de comprendre toute la force de vie qu'il y a dans l'eau. Ensuite, au fond, donc là, la plongée que je vous racontais, j'avais oublié de vous dire, c'était une plongée que j'ai faite aux Bahamas à 80 mètres avec ma palme. Et au fond, quand on est en train de couler, on ne va pas aller jusqu'au bout. Enfin, je veux dire, ce n'est pas sans limite. On a prévu une profondeur et il y a un plomb qui est à la profondeur que l'on a annoncée. Et donc ensuite, il faut remonter. Et quand on remonte, c'est la même chose, c'est inversement proportionnel à la descente, c'est-à-dire que vous vous rappelez que on nageait contre la portance de l'eau.
quand on a quitté la surface, ben là, quand on quitte le fond, on va nager contre le poids de l'eau. Parce que c'est difficile de s'arracher du fond. Là, c'est très lourd, la colonne d'eau qu'on a au-dessus de la tête. Donc, on doit remonter avec un effort athlétique. Et puis ensuite, on rencontre les apnéistes de sécurité. Et ça nous reconnecte avec la vie de terrien, les humains, tout ça. Alors qu'on était un peu tout seul dans l'eau, c'est vrai. Et c'est un moment très agréable. Là, on ne le voit pas très bien, mais en fait, je suis en train de leur sourire, en fait. Parce que ça me permet d'être sereine pour arriver à la surface. Et de nouveau, vous voyez, je reviens sur le début. Cette fois-ci, je ne vais pas nager contre la portance de l'eau, mais je vais utiliser la portance de l'eau. Puisque si l'eau me porte, alors je n'ai pas besoin de mettre plein d'énergie. Donc on est sans arrêt en dialogue avec l'eau pour savoir à quel moment il faut avoir de la puissance, donner un effort, et à quel moment on peut utiliser la mer. Le tout étant, je redis, de s'économiser un maximum. Donc là, vous voyez carrément, à la fin, là, je me laisse porter et je resserre mon mental pour arriver à la surface parce qu'on a un protocole à faire dans notre discipline. Non seulement on veut aller au plus profond, mais en plus, les juges, enfin moi je suis instructeur d'apnée aussi, je trouve ça très bien, on veut qu'on fasse cette discipline en conscience. Vous voyez, je prends toujours l'exemple de quelqu'un qui fait un sprint au championnat du monde d'athlétisme, et s'il se casse la cheville après la ligne d'arrivée, c'est pas grave, il a son titre, c'est très bien. Ben nous, non. Si une fois qu'on est remonté à la surface, on fait une syncope, ou alors si on fait mal le protocole dans l'ordre, il faut enlever le matériel, faire le signe universel et ensuite dire I am OK. Ça m'est déjà arrivé, ça fait très très mal. Si vous le dites dans l'autre sens, ben vous êtes disqualifié. Parce qu'on veut qu'il y ait une philosophie de notre discipline et on veut être en accord avec la mer et on ne veut pas du tout prôner le dépassement des limites, l'adrénaline, c'est l'opposé de notre discipline. Donc c'est assez important. Donc ensuite, quand on revient, il y a, au même titre qu'il y a l'empreinte du large, hein, comme les navigateurs du Vendée Globe qui reviennent et qui ont encore le bleu dans les yeux et qui ont encore les embruns, le large, l'horizon, ben moi c'est pareil, quand je reviens d'une plongée qui a été belle, qui a été profonde, dont je suis contente, j'ai un petit moment de... pas d'euphorie, parce que c'est un moment d'émerveillement, voilà. Mais un moment d'émerveillement de la mer, et ça, c'est important d'en profiter avant de faire des blagues, de redevenir jovial avec tout le monde, mais de profiter de ces quelques secondes que j'appelle l'empreinte des abysses, parce que c'est ça qui nous donne envie d'aimer l'océan, et c'est là où, moi, j'ai de plus en plus envie d'agir pour la conservation des océans, parce que j'ai ressenti cette chose-là, et je me sens très impliquée maintenant. Donc tout ça vient de mes origines, Mare Nostrum, la Méditerranée. Donc là, c'est la rade de Villefranche, où je m'entraîne toute l'année. Et aussi de nombreux voyages en Grèce, dans le parc marin des Sporas du Nord. Je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissent. C'est le parc national marin le plus grand d'Europe, qui abrite le phoque moine. Et d'y avoir été enfant, ça m'a beaucoup sensibilisée. Et comme je m'en rappelle en permanence, évidemment, j'ai envie de sensibiliser aussi les plus jeunes. Parce que quand il y a un lien avec la mer dès la petite enfance, et encore mieux pour les bébés nageurs, des trucs vraiment absolument extraordinaires, le lien est fait. C'est plus dur pour les citadins qui n'ont pas forcément contact avec la mer, mais là aussi, il faut essayer d'emmener les gens à la mer. C'est la première action écologique qu'on peut faire pour la conservation des océans. Donc tout ça m'a amené à faire des compétitions internationales. Et les premières que j'ai faites, donc le Sinaï, enfin je ne les fais pas dans l'ordre, mais ce n'est pas grave, la Méditerranée, la Grèce, l'Italie, pardon, la Grèce, l'Égypte, j'y allais, c'était très bien, j'avais l'esprit de la gagne, le partage, la communauté des apnéistes, mais je n'avais pas encore cette implication pour la conservation des océans, mais j'avais un apprentissage de la discipline avec tout ce que je viens de vous raconter sur comment on plonge et comment on dialogue avec l'eau. Et puis en 2012, j'ai eu une espèce de prise de conscience, un peu une épiphanie, parce qu'il y avait les championnats du monde qui étaient à Nice, dans ma ville, et j'étais très content, j'avais fait un record de France, à l'époque c'était 76 mètres, c'était génial, extraordinaire. Bon, et je passe dans Nice matin, alors toute la famille est très contente, bon, super. Mais ce qui m'a marqué, c'est que quelques jours après, il y a eu un autre article, qui était un peu plus important quand même, c'était sur le minimum de banquises estivales, et je crois que le record n'a pas été battu depuis,
Alors peut-être qu'il y a des scientifiques qui me contrediront, mais j'ai vérifié, j'ai pas trouvé qu'il y a eu moins que 3,44 millions de kilomètres carrés. Le minimum estival de Banquise, juste pour vous dire, les scientifiques mesurent à la fin de l'été le minimum de la surface de Banquise autour du pôle Nord. Puisque à chaque fois, vous savez que la banquise, elle grossit pendant l'hiver, forcément, puis après, elle fond, elle se diminue. Et donc, vous voyez sur cette image-là, donc 92 à 2006 en blanc, 2007 en bleu, et là, 2012, si jamais on coloriait la surface rouge, elle serait moins grande que la surface bleue et moins grande que la surface blanche. Et donc, ça m'a intéressée. J'ai lu cet article vraiment avec beaucoup d'intérêt et j'ai eu évidemment une alerte rouge, c'est le cas de le dire, sur le réchauffement climatique. Et j'ai commencé à m'y intéresser et à me dire que les records d'apnée, c'était très bien, mais finalement, c'était peut-être un peu individualiste et qu'il fallait que je fasse sûrement d'autres choses pour la mer en parallèle. Donc voilà, l'apnéiste n'est pas seulement un compétiteur, il est un témoin essentiel de la beauté, de la fragilité de la biodiversité marine. Je peux le dire tous les jours parce qu'on est un passager discret dans l'eau, on ne consomme rien, on regarde, on contemple et puis on s'en va. Et donc ça, c'est quand même merveilleux parce que en termes de perspective de tourisme, je pense que c'est un avenir pour le tourisme de la mer. Pas seulement du snorkeling à la surface avec des gros gilets, là, le truc affreux qu'on voit dans les voyages de groupe, là, mais vraiment emmener les gens sous la mer. Moi, je l'ai fait avec la compagnie Ponant. J'ai emmené des personnes avec moi, de tous les âges confondus. Et peu importe la profondeur, ça pouvait être 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres. Et j'aurais appris à regarder la mer autrement. En plus, on était dans l'océan Indien, c'était magnifique. C'est une façon de découvrir la mer sur un autre espace-temps. Donc j'ai ensuite continué mes compétitions internationales, mais avec un regard différent de celui que j'avais, où je me sentais plus impliquée. Et j'étais juste dans l'exploration du monde intérieur pour pouvoir réussir mes performances. Puis après 2012, j'ai un peu changé et j'avais besoin de savoir le milieu marin dans lequel je me trouvais. Et qu'est-ce que je pouvais découvrir et comment je pouvais être en accord avec ce milieu marin. Donc là, vous l'avez vu dans le film, peut-être cet endroit, c'est le gouffre bleu des Bahamas. Et quand je suis arrivée là, ici, là, je me suis dit, ah là, peur. Quand mon grand-père, quand j'étais petite, me disait, t'as peur du gros tout noir? Ben là, c'était, oui, j'ai peur du gros tout bleu. Il fallait descendre dans cette chose, dans cette espèce de puits sans fond, qui va à 200 mètres de profondeur. Et c'est finalement en allant autour avec des pêcheurs du coin, les pêcheurs des Bahamas qui plongeaient avec juste une toute petite arbalète et voir comment ils pêchent de façon responsable sur cette île, échanger, comprendre, que j'ai pu trouver l'énergie ensuite pour me sentir bien dans le trou bleu, dans le blue hole en anglais, des Bahamas. Ensuite, une autre compétition, mer de Cortés. Donc là, j'aurais voulu vous montrer sur une carte parce que vous ne savez pas forcément où c'est. Là, en mer de Cortés, ce que j'ai découvert, c'est les otaries, mammifères marins qui me passionnent depuis toujours, qui motivent tous mes entraînements, toute la façon dont j'envisage l'eau, en fait. Et je me retrouve face à lui. Enfin, il n'y avait pas que lui, il y en avait plusieurs. Donc là, c'est une maille de filet de pêche. L'otarie petite rentre dans une maille de filet pour aller chercher un poisson. Les pêcheurs ne sont pas contents, forcément. Mais ensuite, elle se débat, elle arrive à sortir, mais il reste une maille. Et ensuite, elle grandit, et la maille de nylon s'enfonce dans son épiderme. Ça fait des infections, elle finit par mourir. Et moi, d'avoir nagé tellement avec eux, il y a tellement d'interactions. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, là, c'est un petit qui vient jouer avec une nacre. Et ici, j'ai passé une demi-heure à faire des bulles en cylindre, comme ça. Et l'otarie avait compris. Et elle venait à chaque fois que j'en faisais et elle allait attraper les bulles. Il y avait vraiment une interaction, un jeu, une intelligence. Et après, on ne comprend pas pourquoi la pêche fait autant de dégâts. Je n'ai rien contre les petits pêcheurs qui font très bien leur métier ancestral. Mais ça m'a fait beaucoup réfléchir sur la pêche. Et bon, je suis devenue végétarienne après cet épisode parce que ce n'était plus possible. Ensuite, Bonaire, les Antilles néerlandaises.
Là, j'ai vu, c'était une compétition, mais de nouveau, j'avais fait un record de France à la brasse, c'était merveilleux. Mais surtout, cette compétition, elle m'a permis de voir, en fait, que dans ce petit coin où l'eau est très pure, pour une fois qu'il y a quelque chose qui est positif, l'eau dans les Antilles néerlandaises, elle est de très très bonne qualité, et les coraux poussent beaucoup plus vite qu'ailleurs. Et les gens, les Iliens l'ont bien compris, puisque les clubs de plongée font des arbres pour restaurer le corail. Et donc là, vous avez le corail à cornes d'élan. C'est ceux qui ont des cornes d'élan très grands. Je ne sais pas si vous voyez un peu les images. Je pourrais vous en montrer à l'occasion. Et là, c'est corail à cornes de cerf. Et ici, c'est une photo très importante pour moi parce que j'ai nagé au-dessus d'une forêt de corail à forme de cerf. C'est elk horn corail. Et en fait, tous ces coraux que vous voyez là, c'est des coraux qui ont été restaurés. Ils viennent d'une petite nurserie et ensuite ils ont été collés un à un et ils ont pu se recoloniser. Donc ça, c'est génial parce que moi, j'avais vu au Yucatan des endroits où il n'y avait plus de corail du tout. C'était complètement dévasté. On dit c'est trop tard, tout ça. Mais non, on peut y arriver. On peut restaurer la biodiversité là où on l'a abîmée, voire décimée. Bon, alors ça, c'est une autre chose que je ne pouvais pas m'empêcher de vous montrer. C'est toujours dans le Long Island, là où il y a le trou bleu des Bahamas. Et un jour, je vais faire une petite séance de méditation, yoga sur la plage, et je me retrouve là. Alors là, le casque que je porte ici, c'est un casque qui vient de Chine, d'un chantier chinois, je ne sais pas comment il a voyagé sur la mer. Et il y avait de tout. J'ai très, très envie d'y retourner. Donc là, pas du tout pour une compétition, et de classer le plastique, et ensuite de faire peut-être un objet ou un vêtement, je ne sais pas quel partenariat je pourrais trouver, mais avec une traçabilité absolue, pour qu'on puisse dire, voilà, la polaire que je porte, elle vient de cette plage-là. Et je trouve que ce sera encore plus fort, parce qu'on aura une traçabilité sur l'endroit d'où vient le plastique. Pour vous dire qu'ensuite, j'ai fait des records, un record au Groenland et un record dans les cénotes, les rivières souterraines du Yucatan, où j'ai utilisé la performance comme un porte-voix dans mes documentaires, pour porter, pour attirer l'attention du public sur un milieu marin en péril. Donc je racontais comment je préparais le record et la difficulté de m'intégrer dans ce milieu dans ces milieux qui ne sont pas forcément évidents. Et surtout pour pouvoir sensibiliser, non pas pour moraliser les gens, ce n'est pas du tout ça que je fais moi. J'essaye juste de montrer ce qu'il ne faut pas perdre et essayer d'apporter un espoir. Et là, il ne reste pas beaucoup de temps, mais je vais quand même vous parler de ces deux petites choses-là qui ont l'air de rien, mais qui sont extraordinaires, qui ont pour moi eu une émotion, m'ont donné une émotion aussi forte que les otaries et les mammifères marins. Alors là, c'est un petit arthropode crustacé qui s'appelle Speleonectes tulumensis. Speleonectes, ça veut dire qui nage dans les grottes. Speleonectes, qui nage dans les grottes. Et alors lui, il est endémique des cénotes. Et lui, c'est un Typhlias persei, c'est un poisson aveugle. Ces deux-là, le crustacé et le poisson, en fait, ils ont l'air très mignons comme ça parce qu'ils sont éclairés, mais il faut vous imaginer que c'est parce que je les éclaire, en fait. Je suis dans la grotte, dans le noir. Et il y a des adaptations, un peu comme dans les abysses très profondes, à plus de milliers de kilomètres, de 3, 4 000 jusqu'à 10 000, on va dire, pour les Mariannes, pas plus. Mais ils sont en fait adaptés complètement. Et on risque de les perdre pour ces raisons-là. Vous voyez, la destination de Cancun qu'on voit dans les mauvaises agences de voyage. On ne les veut pas, celles-là, n'allez pas à Cancun, s'il vous plaît. Donc là, les resorts all-included, les golfs dans un endroit où c'est absolument pas écologique d'arroser de la pelouse, c'est vraiment anti-écologique. Ou alors le pire, les derniers manatis, les derniers lamantins qui vivaient dans les cénotes tranquilles, paisiblement, eh ben, ils sont enfermés dans le parc animalier de Bel Air, où j'ai fait semblant d'être une touriste pour aller les voir. Donc j'ai moi-même revêti ce superbe gilet sauvetage et ce superbe kayak, parce que c'est la seule façon d'aller voir les derniers lamantins des cénotes. Et ils sont enfermés, en fait. Ils ne peuvent pas retourner en mer. De toute façon, s'ils retournent en mer, il y aurait trop de bateaux.
Donc là, il y a quand même des choses à faire. Vous voyez ces photos, et je n'ai même pas besoin de beaucoup parler. Ça, c'est l'état naturel. Et il y en a encore, heureusement, si vous allez dans la jungle, il y a certains voyages qui sont magnifiques. On peut faire ça. Et puis après, sur la côte, avec les resorts all included, vous avez ça. Les dauphins en captivité, des cénotes creusées à la dynamite et tout ça. Donc bref, j'ai fait un autre projet sur le Groenland. Je ne pourrais pas vous en parler puisqu'on n'a plus de temps. Mais en tout cas... de partir de la performance, en fait, j'ai fait comme une boucle. Je suis partie d'un lien très personnel et fondamental avec l'eau, ce que je vous racontais tout à l'heure, comment nager avec l'eau, comment être à l'écoute de l'eau avec son corps, avec sa peau, avec ses muscles, avec son mental. C'était quelque chose d'assez intérieur, l'exploration du monde intérieur. Ça m'a amenée ensuite à faire des compétitions internationales. Et ça m'a permis de voyager, en fait. Ça a été vraiment une façon de voyager. Je ne savais pas ce que ça allait m'apporter encore. Moi, je pensais que ça allait juste m'apporter des compétitions, des quelques titres sportifs, tout ça. Ça, c'était le point de départ. Mais en fait, ça m'a apporté bien plus, un regard sur la mer différent. Et aujourd'hui, je fais des documentaires qui ne sont plus liés à des compétitions, mais à la découverte du monde. Mon dernier documentaire, il était sur l'archipel du Vanuatu, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, où je suis allée voir, je terminerai là-dessus. Comme j'avais été assez choquée de ce que j'avais vu sur les lamantins, j'ai décidé d'aller voir les dugongs. Le dugong, c'est le petit cousin du lamantin. Pour ceux qui ne savent pas, le lamantin, il a la queue ronde, et le dugong, c'est le même, mais avec la queue en accolade comme un dauphin. Et il est aussi classé vulnérable sur la liste de l'IUCN, mais je suis allée dans un petit village de pêcheurs où ils vivent complètement en harmonie avec les ressources marines. Ils n'ont absolument rien à envier au développement durable, puisqu'ils vivent ils vivent des ressources marines depuis des siècles avec des restrictions de pêche très, très sérieuses, coutumières. Et ils vivent très bien avec les dugongs. Et donc, en connaissant ce peuple de la mer, j'ai pu aller découvrir les dugongs. Et aujourd'hui, je développe un projet scientifique avec un professeur qui s'appelle Michel André, qui est bioacousticien. Donc voilà, c'était un peu mon aventure que je voulais vous raconter aujourd'hui, pour vous dire que la compétition, c'était un point de départ, et qu'aujourd'hui, je voyage encore avec la mer pour témoigner, et j'ai aussi envie de vous emmener dans la mer, et j'ai aussi envie de créer des voyages au bout du monde, ou alors ne serait-ce qu'en France. Par exemple, je vais souvent au Glénan pour observer l'habitat des phoques. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je les ai beaucoup cherchés au Groenland et finalement, c'est en Bretagne que je les ai trouvés. Donc parfois, ce n'est pas forcément aller au bout du monde. Voyager, ça peut être aussi chez soi, dans son entourage. Pour vous dire que l'écologie, c'est avant pour la mer, la conservation des océans, c'est avant tout aller dans l'eau, se sentir impliqué et se sentir relié à ce milieu originel. Sinon, on ne peut pas comprendre comment... et pourquoi protéger la biodiversité marine. Donc moi, je vous invite à voyager dans l'eau. Voilà. Merci, Aurore.